Salut à toutes et à tous, c'est Philippe Houille de Passion MGS. Bienvenue, je suis sur The Forest pour mon épisode 13. Je continue là où j'en étais, j'ai pas mal combattu dans l'épisode précédent, j'espère que vous avez apprécié. Bon, j'aurais pu éviter, hein, mais c'était fun quand même. J'ai eu pas mal de casses, mais j'ai survécu. Je voudrais essayer de faire ce que je voulais faire précédemment, c'est-à-dire la visite de la grotte 3 et récupérer la machette. Ouais, donc voilà quoi. Si je voulais, j'aurais pu me mettre à l'abri dans mon arbre ou bien alors m'éloigner et puis voilà quoi. Hein, j'étais pas obligé de les affronter. Hein. Alors voilà une fournée là-bas. Purée. Alors, je vais... On pourrait faire de l'armure. Ah, oh, je t'ai entendu, petit gars. Oh là là. Alors par contre... Eux c'est des roses. Ah j'ai plus de machin. Ils vont aller mieux à tuer peut-être. Des flèches d'os faites avec votre avec vos compatriotes. Oh là là, il est en train de casser mes trucs. Non, va par là, va par là. Il va casser mes réserves d'os. Oh merde. Je vais pas l'emmener par ici, il va détruire mon arbre avec ma passerelle, cet enfoiré. Tu l'as eu. Alors je sais pas si ce qui leur prend là. Alors là. Tu l'as eu. Ouais, tu l'as eu. Bonjour mademoiselle Vivi. Vous êtes venu avec votre hostilité? Oui. Il est où l'autre? Là-bas. Et bim. Oh, jolie posture. Bon, je vais pouvoir être tranquille deux secondes ou quoi? Oh, la caisse. Ils ont cassé mon truc à flèche. Alors, ça, c'est pas cool. Enfin, bon, c'était des flèches. Ouais, c'était des flèches.
qui compte, c'est qu'ils aient pas cassé ma réserve d'os, parce que cette réserve d'os, c'est quand même tous les mutants que j'ai tués. Y a personne par là? Non, non, bah non. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire un petit peu de trucs? Ah, ici, il y en a un. Là-bas, il y en a un aussi. Je me refasse un escalier là-bas, du coup. J'ai des rondins à côté, ouais. Je vais y aller tout de suite. Je vais essayer de faire ça vite fait. Ça n'avait pas été très chaud. Très très chaud jusque-là. Mais aujourd'hui. Ils ont décidé de m'attaquer aujourd'hui. Attends. Je vais faire plus simple que l'autre fois. Je vais pas m'embêter. Alors il veut pas, putain. Plus vite, plus vite, plus vite. S'il te plaît. Voilà. Ils ont réparé ça au fait dans une hotfix de la 067, la 067C, ils ont réparé le bug de l'affichage de la force qui était bloqué à 1. Voilà. Je vais aller chercher le lapin tout de suite. Ah non, c'est même pas un lapin, c'est un écureuil. Ah oh là 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 là. Petit, 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 je ne veux pas de... d'écureuil. Allez, va, file. Il y en a plus, non. Bon, bah ça va, on va s'en sortir. Donc, je vais me remettre un petit feu ici. Bon, je dois avoir du poisson. Là-bas, dans la mare. Ah, j'ai plus d'énergie. Bah, tous mes pièges sont pleins. Bon, un ça suffira. Je vais réarmer celui-là. Vas-y, vas-y. Voilà. Ils m'ont cassé ma passerelle et mes pièges. Je suis en colère.
Je suis en colère. Allez, je vais aller visiter la grotte là-bas. La grotte 3, il y a une entrée dans l'eau et puis il y a une entrée là où il y a des tentes. Ah, il va faire nuit. Je vais réparer mes pièges, tout ça, tranquille. Et puis récupérer les rondins, tout ça. Et puis je ferai passer la nuit et j'irai au petit matin. Bon voilà, c'est le matin, j'ai réparé quelques pièges endommagés et j'en ai reconstruit un. Bon, il y en a encore qui ont été cassés là-bas, qu'il faudra que je refasse. J'ai attrapé des écureuils, j'ai attrapé des ratons laveurs, mais j'ai pas eu de lapin dans mon piège pour remonter là-haut. Du coup, purée, le temps que je dorme, je me suis vidé l'estomac alors que j'étais plein. Purée, abusé quoi. Merde, non, pas ça. Si j'avais tiré une flèche, il se serait sauvé. Il aurait fallu que je cours après. Tandis qu'avec une lance, il faut juste une lance. Merde, j'ai mis deux morceaux. Oh, c'est fou. Alors, un petit lapin dans mon piège, là. Allez, vite fait, il y en a un qui arrive là-bas. Il y en a un qui vient dedans. Vas-y, mon petit lapin. C'est un écureuil encore. Non? Putain, mais c'est fou ça. C'est fou, c'est fou. Ça fait 10 écureuils, 15 ratons laveurs. J'exagère. Ça fait 4 écureuils et un raton laveur. Bon, du coup, là-dedans, il n'y a plus de flotte. Bon, on verra ça au retour. Hein. Alors, on va boire. Et puis, let's go. Allez, c'est le matin. Allons-y. Dans la joie et la bonne humeur. Oh, il y a encore un rondin ici. Il y a les baies, ils apparaissent de loin. Et puis de près, hop, il n'y a plus de baies. Ah, l'orage. Bien aussi l'orage, hein, comme sur Stranded Deep. Donc en revenant, bah, ouais, je vais aller faire la grotte, et puis en revenant, j'essaierai de sauter dans le gouffre avec la carapace de tortue, avec la luge. Donc là, je m'en vais. Je m'en vais là-bas où il y a mon pouce à droite. Il est tout seul? Il est tout seul avec la lance, ça va bien. Ah ouais, j'ai plus de fusée, je crois. Hein. J'ai utilisé mes fusées sur les gros déformés bleus. Je vais profiter que je suis là pour aller chercher les fusées dans les valises là au sommet de cette
petite colline, monticule. Ça c'est... Non, ça c'est encore un bagage. Ah, un médoc. Je peux pas baisser plus que ça. Impossible de porter plus. Là, on peut en porter que 10. Mais dans le pistolet, j'en ai déjà mis 27. Avec en testant avec ces bagages-là. Et je suis à 15. Et avec mode appui, on peut en mettre autant qu'on veut. Donc en fait, il doit y avoir un bug avec... enfin, un truc qu'ils n'ont pas encore résolu avec le... Le flare gun, c'est qu'on peut mettre autant de munitions qu'on veut dedans. Alors que si on regarde, on ne devrait pouvoir en mettre que 4, je pense. Plus 1 dedans. Donc c'est bon, j'ai tout récupéré, ouais, allez, ok, go. Donc c'est par là, ouais, en face du petit... village. Sauf erreur. Alors... Normalement, il y a une entrée ici, quelque part dans l'eau. Enfin, une entrée ou une sortie. Allez, je suis encore à bout de souffle. Donc, on est là. Elle donne... on rentre ici et il doit y avoir... une entrée quelque part, mais je sais plus où. Non, on n'est pas si loin que ça. Hein. Ah bah si, elle est là. Allez, elle est si loin que ça quand même. Ah ouais. Donc voilà, bon, on va ressortir par là. On va... entrer là-bas, il faut par contre il faut le recycleur d'air, le respirateur, sinon un petit peu juste hein, sinon. Ici on a une photo de un emplacement de morceaux d'armes. Bon, c'est parti. De l'art indigène. Des pièces, un feu, plein de pièces, un... ah c'est une montre que je collecte, c'est pas un passager ça, non. Oh un morceau de robot, ah oui c'est vrai il y avait un morceau de robot ici, je l'avais fait dans l'autre vidéo.
Là-bas, c'est pour rejoindre la grotte 1. On va pas y aller. Donc il n'y a rien d'autre. Ok, on va passer par là-bas. Le passage sous-marin. Alors je mets le respirateur. C'est bon. Donc ouais. Donc il me manque un bras et une jambe. Ok. Journal mise à jour. Tout ça c'est des corps. Je pense que le journal mise à jour c'est que la visite de la grotte est validée. Donc ici au fond il n'y a rien. Une chaise. Alors on remonte et puis on refait surface. Et voilà, je suis ressorti. Ok. Voilà, je voulais faire ça. Je peux enlever ça. Oh là. Je vais croiser du monde. Bonjour monsieur. Oh bah lui, alors lui. Oh punaise. Alors là, il est fort lui. L'homme invisible, le mutant invisible. Le mutant invisible, on voit que sa tête. Oh. Je suis pas contre une petite... Attends, par contre, si jamais je meurs, je sais pas, si jamais ça marche plus. Regardez l'invisible. Eh, ils sont deux. Oh, purée. Oh, je peux même pas les toucher. Alors là, c'est trop fort. Eh, il y en a trois. Bah, c'est dingue. Alors ici, c'est... C'est complètement dingue. C'est la première fois que je vois ça. Ils ont bugué, les copains. Je vais aller sauvegarder quand même avant de me jeter... Comme un dingue. Oh, ça serait pas mal de se jeter de là, tiens. Force de courir, je devrais récupérer un peu, non? Je suis toujours qu'à deux. Hop, le rondin. Prends-le au passage. J'ai quand même... Sauvegarder par prudence. Allez, vas-y. J'ai un petit lapin. Non, c'est encore un écureuil. Abusé, putain. Ah ouais, c'était mon ancienne sauvegarde. Parce que là, je suis à 80 normalement. 81, ok. Donc, bah, j'ai sauvegardé. Je vais aller chercher ça. Ah ouais, c'est ça. Je vais aller... Purée, les machins, ils retournent tous ces biches là. Hop. Manger un morceau. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Je vais aller chercher le la machette. Ensuite, je vais mourir. Comme ça, je vais arriver dans le gouffre. Et puis, on arrêtera là pour aujourd'hui. Et
En redémarrant dans le grand village, ben, je serai pas loin d'une cachette d'armes. Du coup, j'irai chercher les tous les morceaux d'armes dans la vidéo suivante. Comme ça, j'aurai l'arme dans mon inventaire. Bon, on va essayer de. Wow! Je suis pas à travers le. Je suis à travers le rocher là. Ouais, carrément, ouais. Alors, on va essayer. C'est pas ça, c'est là. Bon, j'ai sauvegardé au pire. Hein. Allez. Youhouhou! Bien, la machette, elle est par là. Du coup, je vais perdre toutes mes armures. Si je meurs. Bon, tant pis, de toute façon, j'ai pas envie de refaire le tour. Salut, Bello. Tu m'as l'air énervé, toi. Attends une minute que je récupère la machette. Attends, hein. Je veux mourir après, pas avant. Mais allez voir ça. Ils ont l'air de s'en foutre, hein. Je veux récupérer la machette. Ça y est, elle est là. Ouille. Il n'y a rien d'autre. Je viens pas souvent ici. Laissez-moi le temps de regarder. Bon, allez-y. Bon, le but, c'est de me retrouver dans le village, hein, les gars. Oh purée, ça a été vite, hein. Carrément. Donc voilà, je suis dans la grotte 2, c'est cool pour remonter vite fait. Je vais m'arrêter là pour cet épisode, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner bien sûr. Vous pouvez aller jeter un oeil sur ma chaîne MGS Gaming, ça serait gentil. J'ai commencé à poster des vidéos sur Resident Evil 7. Peut-être que vous aurez envie de vous y abonner. Merci beaucoup en tout cas si vous y allez faire un tour. Je vais sortir de cette grotte et faire un shelter pour sauvegarder. Et puis je ferai le tour du grand village pour ramasser tout ce qui peut m'être utile. Et puis le prochain coup, je ferai sûrement un tour de l'île pour assembler le pistolet, ok? Allez, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!